On vous invite dès maintenant, si vous voulez nous rejoindre, à aller sur le channel Hot Stuff, donc H-O-S-T-U-2-F, sur le serveur Europe, bien évidemment. Et on va pouvoir commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas le principe, il est très simple. On va vous faire jouer les uns contre les autres, et donc le King of the Hill, c'est donc le roi de la colline, si on traduit ça, je crois, très belle traduction, de manière littéraire. Littéraire. Ce qui signifie donc, bah, vous savez, pour être roi, Nabs te dit très bien, il n'y a qu'un seul trône poulet. Donc à la fin, il n'en restera qu'un. Là, c'est pareil. Ouais. Eh oui. Ah, il a bien dit ça. Voilà, mais ouais, bon, il l'a dit dans une phrase un peu plus stylée. C'est le roi de voilà. J'ai pas envie de vous embêter. D'ailleurs, je meuble pendant que Ponf est en train de rétablir son clan, ce qui est tout à fait accordé à l'émission, bien sûr. Ah ouais, puis tu continues en plus. Insolence totale. Le mec en a rien à foutre, vous voyez ? Non, mais non, c'est pas possible. Grave. Donc, au Gaming TV. Donc voilà, tous les niveaux sont acceptés, évidemment. On va essayer de prendre des niveaux un peu plus faibles au début, pour arriver au niveau les plus hauts, parce que vous l'avez compris, hein, si c'est un roi de la colline, donc King of the Hill, vous comprenez bien que si on commence directement, par exemple, avec le niveau diamant ou master, et qu'un master gagne, ça va être compliqué après d'aligner un gold contre un master. On pourrait le faire, mais on sait que la finalité ne sera pas forcément très, très... sympathique. Donc, tu te prends un refus du logiciel? Oui, je me suis refusé par la mat. Allez, il est là. Bon, c'est recréé. C'est bon. C'est bon. Par bébé. Contre, t'es toujours en C87, poulet. T'es toujours en mode explosif. Ça, c'est étrange. On verra ça tout à l'heure. Ouais. On... Alors, hey, t'as vu ton. Tu ah bah, du coup, on est tous en C87. Ce Marie Fauvet, c'est Ziwi. C'est ça. Ah, tu c'est nous vrai. As fait tous bugger en fait. Tout à fait. Ok. Et donc, Hot Stuff, pour l'instant, il y a 29 personnes sur le canal. C'est pas mal, 29. C'est pas mal, mais là, on est 30. 30. Moi, je suis bronze, goutte de kidoki. Bon, allez, on va faire un King of the Hill arc-en-ciel. On va commencer par un vrai noob. Ça marche. Et après, on voit jusqu'où il tient, le noob. Vas-y. Et on se fait ça sur une map... Quelle map, du coup? On va foutre une caverne Xel'Naga. Ouais, la caverne Xel'Naga me semblait bien. Ça me paraît pas mal. Alors, qui est l'espèce d'immonde noob qu'on va pouvoir sélectionner? Il faut quelqu'un de très très nul. On a pas mal de gold qui sont dispo. Ouh. On a déjà quelques diamants, quelques masters. Je me souviens, il a fait Wadou, Ponf. Bon, je prends une voix un peu street parce que ça baisse. Que ça sentait le ghetto. Ça sentait le ghetto. Ponf, il faut que t'arrêtes de dire qu'on est de nous. Moi, je suis gold et tout. Machin. Arrête d'insulter la moitié des gens, machin et tout. Alors, je crois que je lui ai rien répondu. Mais Gold, ça reste Noob. Hein. Ça, c'est triste à dire, mais ouais, c'est vrai. Ça reste en c'est below average. Ouais. Ça fait des erreurs. Mais où est-ce qu'on place la limite de la Noobry, en fait? Moi, je dirais quand même qu'à partir du platine, tu commences à savoir vraiment jouer. Et mais après, il faut comparer ça par rapport au temps de jeu que tu peux donner. Et je pense que quand même, platine, quel que soit le temps de jeu, c'est quand même que tu commences à avoir platine, un certain niveau ou alors et t'as que tu as quand même compris les mécaniques à d'autres RTS et tout et que tu connais bien les mécaniques. Ouais. Ouais, parce qu'il faut quand même bien créer en continu et tout. Quand même, si t'es platine, t'as quand même un niveau minimum. Donc je dirais qu'à partir de platine, on peut commencer à dire que là, vous commencez à avoir, même pour vous, hein, là, le jeu commence à être vraiment plaisant à jouer. Ouais. Parce que vous commencez à un peu tout contrôler, avoir un peu de multitask, un peu de macro, un peu de tout. Vous avez donc, la base. Voilà, tu peux commencer à faire ta popote. Mais c'est vrai qu'en dessous, gold souvent, t'es à la limite, tu commences un peu à t'en sortir, mais tu restes sur un BO très agressif. Et argent et bronze, vous venez d'avoir le jeu où vous avez encore quelques difficultés à progresser. Et dans ce cas-là, c'est surtout une histoire de connaissance, mes amis. Donc vous ne vous remettez pas en cause mentalement, ou je suis nul, ou je... Non, c'est pas une histoire de ça, c'est une histoire de connaissance. Il y a certains points que vous ratez, et ces points-là, vous ne vous rendez pas compte que vous les ratez, mais ils sont essentiels. Et du coup, comme vous n'avez pas les bases, bah forcément, tu vois, c'est comme si tu comprenais pas que quand tu montes une phrase en français, il y a verbe, complément, et tu vois, bah forcément, si tu parles comme Kitty, bon, téléphone maison, ça marche, que c'est simple, tu vois. Et si tu veux dire à un mec un truc un peu plus compliqué, c'est ça. Je t'ai vu. Avec le doigt, comme ça. Voilà, tu vois, tu ne peux pas un juste doigt. Juste un doigt, tu peux le faire comprendre en deux mots. Mais voilà. Avec un doigt, tu peux faire plein de trucs. C'est vrai. Allez, on a nos deux noobs, deux ergs. GLHF,
faites court. De décharner, j'aime bien les bases comme ça. Allez, c'est parti. Allez, double bronze. Double bronze, et après c'est le stress. On augmente en skill, on va prendre un gold ou un platine après, je pense. Ouais, et là on va s'amuser justement à mettre en valeur les erreurs les plus flagrantes des joueurs bronze, pour que justement ceux qui se sentent offensés par l'attaque du noob comprennent pourquoi est-ce qu'on dit noob. Ça en fait. Oh là là. Mais c'est affectueux, noob. Quelque part. Mais noob, ça veut juste dire débutant, hein. Enfin, je veux dire, c'est. Noobie. Voilà. C'est pas méchant. On est débutant dans beaucoup de choses dans la vie. Belle manière de rationaliser tout mais ça. Mais non, mais c'est vrai, mon pauvre. Alors, le décharné en bas à gauche. C'est marrant, on est en mode 16-9ème là, je trouve. Je trouve qu'il y a un effet cinéma là. Ouais. C'est pas comme ça chez moi. Non. C'est un peu étiré, ça fait fashion. On va checker ça. Mets un zoom pour voir. Un dézoom. Un dézoom plutôt. Z. Parce que l'autre fois, on avait l'impression qu'elle marchait plus cette touche, mais on s'était trompé de touche. Ouais, j'ai eu du mal à assumer ça, c'est pour ça qu'il faut que j'en reparle. Ouais, donc voilà, alors, j'assume. Alt Z, méga zoom. Shift Z, ouais. Méga shift Z, ouais. On vous rappelle, et pour ceux d'ailleurs qui seraient intéressés, le Shift L aussi, qui est très intéressant comme New Featured Shift. Ah, je t'ai dit une bêtise ? Alors, peut-être que ça ne marche pas parce que c'est Cavern Xenaga, mais normalement, Shift L, ouais. Vous avez le comment dire, les unités perdues qui s'affichent. Ouais, mais là, ouais. Alors, c'est étrange que là, on a le zoom, mais on n'a pas le Shift L. Peut-être dû à la Cavern Xenaga. Il y a moyen qu'on ait le son du jeu, mais que le ventilo soit plus fort que le son du jeu. Non, mais moi, quand t'as dit à Kena, hey, on pourrait avoir le son du jeu, qui t'a répondu, mais Eliel, là, je me suis dit, je suis sûr que c'est Pouf qui a raison, on n'aura pas le son, mais lui, il pense que. Donc, non. Moi je pense qu'on n'a pas le son. Voilà. Il n'y a pas le son, il me dit à Kena. Ah, tu vois, 404 erreurs. Mais bon, c'était facile à trouver, les mecs. Il suffit de bosser ici pour savoir que pour avoir le son dans StarCraft 2, faut le demander plusieurs fois. C'est ça. C'est une demande anodine. C'est ça. Production. Ouh, technique de pute ici. Guilluminus qui vient poser proxy et qui vient de pool 5 drones, 5 probes. Ça, typiquement, à moins que vous ayez quelque chose à cacher, le son du jeu qui dans le jeu, d'accord. À moins que vous ayez quelque chose à cacher, mets-lui à 5 volume principal, c'est ce qu'il fait, Georges. Il se met tout à 5. Okay. Et là, on va voir les premiers points. Regardez les premières erreurs des bronzes. Si tu peux montrer dans la main qu'il y a juste un pylône, voilà, et nous montrer après, retourner sur les 3 gates. Vous voyez que ça, normalement, quand on fait un proxy double gate, on le fait avec le premier pylône. C'est-à-dire qu'en fait, vos 6 premières probes, vous les mettez à miner, vous en prenez tout de suite une que vous envoyez en bas de la map pour poser le pylône. Et après, vous posez vos double gates derrière. Donc, on voit qu'en fait, en bronze, c'est souvent des erreurs de connaissance. Là, il a fait un pylône en trop. Donc, ceci étant, hein, ça va sûrement marcher. Et ça pourra... Enfin, ça tient quand même encore la route, son truc. Hein. Il n'a pas non plus fait 40 000 erreurs. Il n'en a fait qu'une. Mais quand même, on peut voir une première petite erreur. Et on peut voir du côté du joueur Zerg. 10 points pour le backpack. 10 points pour le streamhack, excuse-moi. Le décharné qui prend directement ses points et qui va attendre le double-double gate de Guilluminus. Guilluminus, une belle strat de noob, hein, le proxy de gate. Mais c'est en même temps... Regarde, de connaisseur de Cavern Xel'Naga aussi, c'est-à-dire que ça c'était le genre de strat que tu te prenais sur Cavern Xel'Naga. C'est pas faux. Le Mass Zilot en mode gate. Mais là regardez, pourquoi est-ce qu'encore une fois c'est mal joué le coup du Protoss en bas. D'accord. C'est parce que là il a fait une forge et regardez, il commence à protéger ses gates. Mais son BO est très agressif, il y a presque pas plus agressif que ça. Donc ça sert à rien de protéger des gates, les gates qui protègent c'est des Zilots en moins, alors que les Zilots lui permettent l'agression. Ce qui fait qu'au final, tout ça, vous voyez, n'a pas de sens. Soit vous faites un proxy double gate très rapide et vous agressez. Soit c'est vous partez sur quelque chose, vous faites une forge, mais dans ce cas-là, payez une B2. Parce qu'au moins, vous rentabilisez quelque chose. Là, vous faites agressif, défensif. Ça ne veut... C'est comme si la France avait fait la ligne Maginot plus des tanks pourris. Ce qu'on a fait, en fait. Et voilà, on a perdu, mon gars. Voilà, les deux premiers zilotes. Un pylône en backup, on ne sait pas trop pourquoi, puisque de toute façon, on ne peut pas warper. Comme un crevard, ah ouais. Et le décharné qui est prêt, quand même, faut bien le dire. Il y a beaucoup là. Attention quand même, parce que le zilote c'est costaud.
un autre plus long qu'avant. Ah, le Protoss qui... le virus, quoi. Il avance petit à petit, s'accroche à tes cellules. C'est assez dégueulasse. Attention à pas se faire choper quand même. Probe et pylône. Les îlots qui sont là-haut qui vont essayer de taper la chambre d'évolution. Voilà, alors là on va avoir une erreur aussi. Non, bien joué. Très très bien joué. Là vous voyez, pour défendre, vous devez envoyer vos airplanes que quand les aiguillons tapent. Sinon c'est pas worth it. Et vous devez... Ouais, bah t'as roche. C'est bien vu. Ouais, ouais. Bah là, moi, à sa place, j'aurais rajouté 2-3 aiguillons et j'aurais commencé à les approcher. Là, tu peux les mettre là, hein. Il n'y a pas encore de photons. Et du coup, c'est bien. Je pense que c'est ce qu'il devrait faire. Il peut taper le pylône. Ouais. Là, il va se faire brain et il va se faire sortir, malheureusement. Guillominus. Le photon rush, une. une valeur sûre dans la nubitude. Hein. Mais ça, sur Broudoir, Farfartin, tout le temps, le photon rush. Bah ouais, mais faut dire ce qu'il y a, c'est le. Enfin, comment dire. C'est l'unité statique la plus polyvalente. Ouais. Le bunker faut le remplir et l'aiguillon faut du creep. Le photon ça tire en l'air, ça tire au sol, ça détecte et il n'y a pas besoin de le remplir, faut juste un pylône. Clairement. Donc c'est vrai qu'on peut comprendre qu'au début du jeu du moins, parce qu'il y a une raison derrière, hein, la photon n'est pas cheatée ou quoi. Hein. C'est normal que les protos aient droit à ça, c'est ceux qui ont le moins de mobilité, donc c'est normal qu'ils aient la meilleure défense. C'est tout à fait logique dans la construction du jeu. Par contre c'est vrai que du coup, bah, quand on est bronze et quand on n'a pas les bonnes mécaniques et les bonnes réponses, bah, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que la photon c'est un peu chiant quoi. Mais non. Tu vois, il a même pas eu le réflexe de tenter un run by. C'était possible. Ah, c'est stylé en fait, l'écran de gauche. En fait, je vais regarder le retour, moi, si tu ne m'en veux pas. Ouais. Hélène, game bien fermé. Alors là, quand c'est comme ça, parce que là, je sais qu'il y a des joueurs bronze, argent, auxquels ça arrive, hein. Si on le voit là, c'est que ça arrive à plusieurs d'entre vous. Encore une fois, l'une des méthodes qui aurait pu être bonne, ça aurait été d'avancer les aiguillons rampants à portée assez rapidement avant qu'en fait les photons ne se fassent, comme vous a dit Ponf. Et du coup, voilà, de gérer avec les aiguillons rampants. Là, on voit que ça partait d'eux, qu'il y a un Batarroge qui est lancé, tout ça, mais qu'il n'y a pas de vrai choix. Si jamais ça marche pas le coup des aiguillons, en effet, sinon, vous pouvez faire le choix de faire moins d'aiguillons et faire un Batarroge et d'essayer de sortir tout de suite 8 à 10 roach pour essayer de les cancel, quoi. Mais là, aller chercher de la technologie, il n'y a pas de réel intérêt. Il est que sur une base, il n'aura pas assez de casse pour la développer. Oh, un engagement pas mal, hein, pour le joueur Zerg, le décharné, qui... devrait utiliser ces 1500 de minerais pour être utile. Ah, mais il a pas d'edge de prod. Une deuxième match. Ouais. Et il est supply, non? Ah, il est supply à 25. C'est dur. Il a beaucoup de larves. C'est le supply de trop. En plus, il nous écoute, lui, on le sait. Tu te disperses trop, le décharné, poulet. C'est ton T2 là, il sert à rien. C'est déjà, tu dois te défaire des photons, donc tu aurais dû envoyer tout le gaz du T2 dans des roaches. Et quelques Zerglings, parce que les Zerglings c'est cool, ça encaisse un peu les coups. Plus d'unités, beaucoup plus d'unités. Les 3 over qui sont là, les roaches qui sont faits, plus 10 points. Ah, le smack. Et du coup, Guillominus qui ne sait pas. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, Guillominus? C'est la question. Guillominus, toi c'est un peu l'inverse quoi. Limite là. Dans une optique de win, tu peux t'amuser à poser B2, B3. Et voilà, en te disant de toute façon, je vais. Ouais, attention quand même, ton engagement là, fais-le bien. Rapproche tes aiguillons rampants quand tu fais attaquer les roaches aussi. Toi, t'aurais pu d'abord rapprocher les aiguillons. Quitte à en perdre un, il aurait été là pour tanker, c'était pas un problème. Et pendant ce temps-là, tes roaches auraient déversé le DPS. Déverse le DPS ? T'as des queens aussi qui peuvent heal. Ah, Voidray, surprise. Faut garder les queens, mais du coup là il n'y a plus que deux tourelles, ça se fait la queen qui ne tape pas. Ta queen, poulet, ta faire queen. Faire taper la queen. T'as pensé à recréer une queen, mais pas de sporuleur aussi. Ah oh là là, le décharné, là il est. Il est en situation de mélasse. Ouais. Heureusement les deux voidrays qui ne tapent pas la queen et Guillominus qui arrive pour le final move. Allez, 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 bouge ta queen poulet, bouge ta... Ah, dommage. Bouge ta queen poulet, bouge ta queen. Bouge ta queen avant, gars. Ça aurait été pas mal. Du coup, le sport va-t-il résister? Tu fais un heal sur le sport, poulet, tu tiens. Dans ta voilà. Heal. Voilà, moelle. Et là, du coup, le problème de Guillominus, c'est qu'il va potentiellement perdre tous ces bâtiments-là.
C'est ça qui est très horrible en plus pour les joueurs bons, c'est qu'ils font des games très très longues où ils foutent rien dedans. C'est vrai. Là, regarde le nombre d'actions. Fous les APM pour voir. Ah, merde. Voilà, donc en moyenne 79-39. Donc tu vois, c'est... Ouais, 90 quand même. Hein. Ouais, ouais, il est un peu plus énervé le Protoss. Mais c'est vrai que là, pour une game de 13 minutes, par exemple, le joueur vert, comparé à une game que tu pourras jouer ou qu'un niveau plus platine, diamant jouera, voilà, souvent en 13 minutes, quand même, tu t'amuses un peu plus que ça, quoi. Là, là, il a beaucoup subi. Il s'est fait piéger. Ouais. Et se retrouve, du coup, à 16 de pop, hein, donc... On a peut-être notre winner. Ah, quoique... Dur. C'est dommage, ce spoiler en point qui aura fait le taf. Hein. Là, le joueur Protoss poulet, tu rajoutes 5 gates à 6 gates. Voilà. Une fois qu'elles sont là, tu les ouvres, tu crées 8 unités, tu fais un clic, t'as gagné quoi. Et mais ça, c'est aussi ça la Big Bond. C'est que des fois, voilà, tu t'entêtes des fois dans tes trucs. Et après, hop. Tu t'entêtes dans des pertes, mais là. Quel est l'intérêt de continuer sur du Void? Chacun son fail. Regarde, il a même pas envoyé son Warp Gate. Regarde bien, c'est bien. Plus 10 points pour le Warp Gate là. Pour le jeune homme. C'est bien. Tu restes sur le Void poulet. Alors que tu vois bien que ton adversaire là, il commence à avoir des sports, il commence à faire plus que des queens. C'est pour ça que quand c'est comme ça, bah, il faut vite changer. Et il faut attaquer sous un autre angle. Que vous ayez l'avantage ou non d'ailleurs. Sinon tu fais durer la partie. Pour pas grand chose, c'est à dire que c'est pas le fait de faire durer la partie qui est vraiment problématique. Bon, pour nous un peu, parce que on a une émission, pour toi, c'est plus pour le côté où plus le temps, plus la partie va durer, et plus en gros, bah c'est des probabilités pour ton adversaire de revenir dans la game. Alors que quand t'as un gros avantage comme ça, mec, bah tu dois la gagner tout de suite quoi. Parce que sinon, tu peux pas gagner plus d'avantages. Le pas d'après, c'est gagner. Donc après, c'est se retrouver en grand chenet, mais avoir 5 balles de match et jamais les finaliser, tu vois. Ça devient un problème psychologique, faut faire attention à ça. Ça s'appelle une Jedong. C'est vrai. Tu perds en finale tout le temps. Mais des fois, il fait des bouches cheloues aussi. Ouais, ses finales, il est pas serein dans ses finales. Oh, le Wargate qui va se finir. Mais il était vénère. Hein. À la finale WCS. Il était pas content du tout. Ouais, j'avoue. Genre, mais... Il regardait le dos du présentateur en mode j'ai envie de mourir quoi. Je vais en fumer un, si possible bomber avec un gun. Et là il sort le truc. Là ah, des fois je trouve pas l'adjectif pour mais il a un. Et en plus rappelle-toi, hein, déjà sur les compétitions précédentes, je te l'avais dit, ouais mais non mais Jedong des fois dans son decision making, je comprends pas. Et je trouve, et c'est vrai que c'est souvent sur les finales. Ou des fois il va prendre des risques qui sont inconsidérés, qui sont, je sais pas, c'est très étrange pour un joueur de ce niveau-là. C'est comme si t'avais un grand joueur de poker qui avait des cœurs de jeu magnifiques et qui des fois, tu sais pas pourquoi il tilte quoi. Alors que normalement quand t'as atteint ce niveau-là, tu tiltes plus quoi. Et lui il tilte, c'est rigolo. Enfin pour nous, vu l'extérieur, mais je suppose que pour lui ça doit être plus rageux. C'est plus rigolo là. Voilà, tu vois toutes les gains que tu t'as rajouté, que je t'ai conseillé, regarde comment ça te met bien là. Là t'aurais limite pu manger un compte qui t'aurait un peu embêté. Mais avec la folie du Zilote, la Zilote partie. Il a perdu quand même égalité au nombre de props tués quand même. Ah, Batawatch qui prend, les queens qui ne sont pas sollicitées, c'est bien dommage. Alors là, faut bien que tu penses au heal poulet, heal ta queen, heal. T'as le temps. Oh là là, t'as mis, oh là là. Il s'est pas arrêté à la fin. Bien joué. Merde. Le heal poulet, bien joué. Oh non, Guilluminus! Pense-y à ça, hein. Si tes queens sont pleines d'énergie, mec, t'as besoin de moins de queens que de void si tu utilises les heals. Donc. Allez, là, il y a beaucoup d'unités pour Guilluminus, là, normalement, on est pas mal. Ouais, mais c'est ce qu'il fallait faire, hein. C'est très bien joué. Là, au moins, il a dépensé son cash flow, c'était son avantage. Et maintenant, la mécénite. Pas mal de gilotes, là, quand même. Oh, et puis en plus, les Zerglings qui vont aller strap sur un photon. Ouais, il tient un peu comme un prince, il est reparti. J'aime ce genre de move. Allez, Guilluminus, la colonne. Avec la petite sentry. Allez, faut back un peu les voids là. Bon, Guilluminus, bon. Il
compte pas trop les unités, c'est pas grave. C'est ça, de toute façon il a plein de Zilla, donc il se dit un Voidra en plus en moins, qu'est-ce que je m'en fous. C'est vrai. Allez GG. Allez GG, bien joué. Et donc maintenant, du coup, vous pouvez vous rendre compte qu'au final, quand on dit que bronze, argent et jusqu'à or, certains top gold peuvent se sortir de la liste. Mais jusqu'à... Vous voyez, c'est pas par hasard. C'est parce que vraiment, il y a un manque de connaissance des mécanismes de base. Et en fait, des fois, c'est même pas de la connaissance, des fois, c'est de la volonté. C'est-à-dire, je pense que personne n'est idiot au point de se dire « Ah bah mince, je fais des voids, il y a de plus en plus de sport, mais je continue. » C'est pas ça, c'est l'idée, c'est que le cerveau fait une synthèse de tout ça, et se dit « De toute façon, je peux perdre un ou deux voids de là. Moi, j'ai B2, je sais que j'ai un avantage qui me permet de maintenir cette pression-là. Mais est-ce que c'est pour autant une raison pour continuer à donner des voids ?» Non, si vous continuez à le faire, bah, petit à petit, votre adversaire, lui, s'est refait. Ouais. Et ah c'est ouais. Ça en fait, c'est ne serait-ce qu'avoir l'état c'est d'esprit de se dire. Il y a des erreurs des deux côtés, du coup. Voilà. Les games, elles, ça fait un effet de balancier qui fait qu'au final tout peut s'inverser. Mais après, c'est énorme. Hein. C'est-à-dire que là, je pense que s'il avait redonné quelques Void Rage, je pense que. Et que l'autre n'avait pas ajouté ses gateways, il aurait pu et revenir. Si t'es pas fait niquer tous ses drones aussi, il aurait pu revenir. Ouais. Non, carrément. Et c'est pour ça que c'est. Après, vous vous dites, ouais, mais c'est n'importe quoi ce jeu, ouais, mais. Non, ça c'est pas ça. Que... Je gagne pas, ça m'énerve. Il faut être vraiment plus cohérent. Et la base, c'est de créer des unités en continu, ces overlords, ces dépôts en continu aussi, et de suivre un build order qui existe. Et si vous faites ça, rien qu'avec ça, vous êtes argent gold. Ouais. Non, clairement. Tout simplement. Et bah du coup, on va faire la petite pause, et on se retrouve après pour la deuxième phase. On va augmenter le niveau. Si vous voulez venir vous friter à Guillaumeinus, et bien allez dans le channel Hot Steph sur Battle.net. Là, il y a du monde qui va. Je vais me le faire, son nom qui va se dire ça. Calme-toi. Allez, à toutes. À tout de suite, les amis. De... C'est en fait un canard nous fait le compte à rebours à côté. J'ai compris que le compte à rebours commence, donc je fixe la caméra. Puis je me dis, ah, c'est un peu long. Et au moment où je regarde le... ah, la caméra arrive, c'est horrible. C'est horrible. Bien, bienvenue à vous, les amis. Et toujours la patate pour ceux qui sont restés en fait, tout simplement. Alors c'est Guillaumeinus qui a gagné la première game. Nous sommes dans un King of the Hill. Pour ceux qui se poseraient la question, donc vous savez ce que ça veut dire. En gros, c'est le gagnant reste. Guillaumeinus a gagné la première game. C'est un bronze contre bronze. Donc là vraiment pour le moment c'est ouvert à tout le monde. La pompe est en train de faire la sélection du challenger sur le channel Hot Stuff Server Europe. C'est vrai que je le précise. Je sais plus trop pourquoi en fait je le précise. Mais on sait jamais si, parce que je sais qu'il y a des gens... qui découvrent. Ouais, non, mais il y a des Québécois qui nous regardent, il y a des... quand tu t'amuses à regarder, en fait, le... et même sur YouTube, d'ailleurs, quand tu t'amuses à regarder, tu sais, le... la partition des gens. Voilà. Tu te rends compte qu'en fait, il y a quand même, même si c'était un faible pourcentage, pas mal de francophones à l'étranger qui peuvent nous regarder sur Internet. Donc, coucou les amis. Et du coup, c'est pour ça, faites attention, vous, on est sur le channel Europe, bien évidemment. Donc voilà, le joueur va-t-il être sélectionné? Le joueur est sélectionné, c'est un silver. Comment s'appelle-t-il, mon ponf? C'est platine, ça, non? Ah ouais, c'est platine. Exact. Ouh, ça va être la merde pour Guillaumeinus. On fait gold. C'est ghetto. Hein. Mais vas-y, au pire, on va voir une... un rape. On va voir un rape. Un rock a rape. All right. Alors Guillaumeinus, si tu m'écoutes, je sais que la logique d'esprit va te faire dire le mec est plus fort que moi, faut que je joue défensif. Mais en fait, faut que tu fasses totalement l'inverse. Décomplexe-toi un maximum et fais des drones un minimum. Non, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est sur un malentendu comme ça que tu as le plus ta chance. Que tu pourras t'en sortir. Ah, tu me diras, t'es le Protoss. À mon avis, il va refaire la même, lui. Alors si tu fais un proxy double gate, essaye ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de le faire sur le premier pylône. Donc ça signifie que tu enverrais directement... Oh là là, t'as pris une vieille map. Excellent. T'enverrais directement ta première probe en avant. T'as vu les nouvelles maps du ladder d'ailleurs? Ouais, il y avait Funky Flex dans la neige là, tu la testeras là. Funky Flex. Ah ouais, je l'ai trouvé. C'est pas comment? Ah je sais plus, j'ai joué qu'une fois hier, j'ai pas compris. Elle est en fait t'as un peu au milieu comme ça, donc elle rappelle, tu sais, une des maps qu'on avait remis, bah la map qu'on avait fait jouer Tude quand il avait joué le boss. Ouais. Ça rappelle un peu ce montage de map, c'est-à-dire que t'es pas dans un coin, t'es dans un au-dessus quoi, donc dans une zone
où sur un plateau. Bah t'es entourable en fait. T'es pas dans un coin de la map comme là. Et c'est ouais, ça change. Donc à tester. J'ai vu la game juste avant, je me méfie de toi. Ok. Alors. Et son fameux proxy de Gates, qui est déjà maintenant petite roquette. Connu sur l'internet. Guilluminus, que va-t-il tenter? Toujours un pylône dans la main. Et en face, nous avons Over Blackout. Donc voilà, c'est même pas que tu ne te souviens pas de ta soirée d'avant, c'est que tu ne te souviens pas de te battre. Voilà, c'est parfait. C'est, t'as vu le film Memento? Ouais. Il est horrible ce film. Il est énorme. Ouais, il est... Ah, il fait psychoter quoi. Ouais, non, c'est un bon film, mais... il fait psychote. D'ailleurs, tu aimes psychoter, regarde Memento. Et House of Cards, les mecs, je suis en kiff là-dessus. Regardez cette série avec Kevin Spacey et tous les acteurs déchirent de gens. Mais Kevin Spacey déchire encore plus. C'est un acteur que j'adore et quand tu regardes la série, tu te rappelles pourquoi. C'est une tuerie. Je vous conseille très fortement cette série, les amis. Si vous aimez un peu les trucs un peu mental, hein, c'est pas de l'action, hein, c'est du psychologique, tout ça. Vraiment, je kiffe. C'est ma nouvelle série de chevet là où. Vous savez, quand l'épisode il se termine, t'es un peu en mode en manque quoi. Comment? Je me remets à l'épisode, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ça, c'est bon signe. T'avais fait ça avec Dexter et Oz en mode. Tu les manges jusqu'à 7h du mat, t'es là, mais je peux pas me coucher, je sais pas encore la fin de l'épisode. Moi, c'était avec 24h chrono que ça me l'avait fait, et Prison Break, la première saison, quand j'avais découvert en fait. Ouais. On était. Mais c'était même avec nos potes, on était totalement addicts quoi. On a, les trois premiers épisodes, on était fous quoi. Mais enfin, faut revenir aussi au contexte de l'époque quoi. À cette époque-là, si tu regardais pas de séries américaines, mec, enfin, c'était. Enfin, il n'y avait rien sur la télé française. Tu te retrouves avec une série comme ça, avec un scénario aussi poussé. Enfin, on était forcé d'être en kiff, quoi. Donc voilà, du coup, Guilluminus. Qu'est-ce qu'il nous fait, Guilluminus? Il nous fait un cybernétique corps. Et il la joue très très standard pour le moment, Guilluminus. Il reste sur une base cybernétique corps. Il va pouvoir lancer son Warpgate d'ici pas trop longtemps. Et en face, Over Blackout. Alors. Il part B2. J'ai hésité à un moment donné à le dire ou pas, mais je me suis dit, rappelé que le stream hack était permis. Qui part donc B2, Guilluminus. Du coup, tu as perdu l'occasion de faire ton proxy de gate qui aurait pu marcher du coup. C'est vrai. Parce que là, sur B2, tu l'aurais rape. Mais non. Mais tu peux encore le faire, il est vrai. Ah, est-ce qu'il va regagner 10 points en stream hack? Regarde-moi ça. Une guette d'ajouter là, du côté de chez Guilluminus. Ah, et deux par deux au gaz, est-ce qu'il va pas nous faire un forgate à sa sauce? Ce qui encore une fois, au début du mois, hein, tant que vous n'atteignez pas le niveau. Ouais, pour ça, je dois limite monter à diamant. Hein, faites de l'adaptation de build order. Mais pas trop de trucs funky non plus quoi. Un forgate, on vous la prend sur un gaz, faites-le sur un gaz quoi. Cela, le double gaz avant, c'est bien joli, mais au final, pourquoi? Le mec il a 342 de gaz, ça lui sert à rien. Bon, à moins qu'il veuille faire un full sentry, mais qui attaque un zerg? Oh, quoi que ça peut se faire. Mais bon, encore une fois, faites attention à pas trop déborder quand on fait du coloriage. C'est vrai quoi, faut apprendre à faire le coloriage avant d'apprendre à dessiner, non mon pont? Non, complètement, il faut regarder les maîtres et après s'inspirer de... Tout à fait, mon bon Usul. Voilà, il t'a écouté, il a viré le gaz. Ah, bien joué. Bien joué, parce que t'avais trop de gaz. C'est bien joué. Hop là. Kino de Vessomère. Attention à pas se faire niquer par les Zerglings ici. Oh, ils sont pas speed, attention. Ouais. Oh, le Zilote qui court. Allez, va te caser entre l'île de Minerai. Voilà. Ah, c'est pas mal, c'est bien joué. Très jolie défense de Guilluminus. C'est bien joué. La Black Cloud, il doit se dire quand même, c'est un bronze. Quand même. Il vient de se faire, Tej. Ah, tu viens de prendre une petite cartouche. À mon avis, en perte, le platine est au-dessus. Et en plus, il va pouvoir voir. Mettons une affiche au platine. Bouh. 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 Tu as perdu 25 de Minerai de plus. Et du coup, eh bien... On imagine que ça va warper. Là, faut warper. Alors, ça le choix des unités. Ma Zilot pour l'instant. Voilà, et c'est un bon choix, donc tu ne vois pas de bâtard roach. Tu peux Zilot Sentry en effet. Par contre, faut faire attention, tu dois anticiper la venue des roaches. Et dès que tu sens que c'est roach, faut Ghost Stalker.
Donc pour le moment, ta lecture de jeu est bonne. Mais voilà, je vous le rappelle, on en profite comme on fait des joueurs un peu plus débutants, que c'est comme ça que ça marche. Zealot Sentry et après Sentry Stalker. Ah là, c'est ma Zealot, hein. Pas vraiment de temps pour les Sentry. Essayez de mettre toujours 20% de Sentry. Après, c'est discutable, mais au minimum, ce jeu, c'est qu'après, en bas niveau, les force fields ne sont pas parfaits. Donc c'est bien aussi de faire que du Zealot. T'as laissé jouer ton grand frère. Ah, regarde, le Kout, il commence à stresser. Oh madame, il joue bien là quand même pour un bronze. Ah, le platine qui claque des fesses. Allez, Blackout là. Eh, Blackout là. Eh, tu nous mets le protège d'or là, s'il te plaît. Alors, tu rentres dans ta main. Ah là là. Mec, c'est qu'une B2, hein. T'as pas perdu Blackout, tu le sais très bien. Ta technologie est envoyée. Montre-nous de la belle défense. Attention à pas se faire graver le roach. Le roach. Oh là là. Attention. Oh, la petite bubule très bien envoyée là. J'avoue que pour un bronze, quand même, ça joue bien là. Ouais, ouais, c'est jaloux. Allez, attention, petit hit and run. Oh là 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 là. Oh, les bouchers là qui arrivent. Bah là, c'est. Ok, Gaminus, très bien. Tu joues avec les règles. C'est la merde, hein. Ces deux bubules n'étaient pas à des niveaux de bronze. Clairement. C'est Fortgate non plus. Après, c'est peut-être un génie qui traîne encore en bronze après 3 ans de game. Hein. C'est possible. Il y a pas des joueurs comme ça qui ont jamais réussi à. Ah, dommage. Et qui ce soir, avec notre présence, se sentent pousser les ailes, quoi. Boom. Comment? Je pense qu'il va pouvoir contrer. Ah ouais, c'est concret. Il y a quand même beaucoup roach. Mais là, il y a des tours de warp pour sauter là pour le joueur Protoss. Voilà, et là on voit l'erreur un peu du joueur bronze. Il a reproduit, alors que là normalement tu viens de voir que t'as repoussé. Si tu sais qu'en fait avec un tour de warp tu ne vas pas réussir à continuer ton attaque, là fallait en profiter pour tout de suite aller poser B2, rajouter une ou deux gate et rewarper des unités après la pose de B2 dans sa main et se préparer au contre si contre il y a. Et là du coup tu te favorises vraiment. Alors que là, après, faut faire attention quand vous faites une attaque. Oh là 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 là, ouais, mais ça, c'est violent, ça. Ouais, mec, il fait des rally points rouges, il est pas du tout bon. Eh, hey, attends. Tu m'expliques comment est-ce qu'il est mort, le nœud de vaisseau mère? Une queen. Non, mais la queen, elle... Ah non, c'est le spoiler. La queen, elle avait pas bougé, mon gars. Ou alors, les queens, elles ont des nouveaux sorts, c'est mental, quoi. Elle arrive... Paf. Quoi? Répercussions sur la vie. C'est nouveau. Ah ouais, m'a tué. Donc, mais attention quand même, hein, parce que là Blackout il est quand même bien dans le hood, hein, c'est un forget. Et Guilluminus lui il est bien aussi dans la merde. Hein, et là, l'élan de panique. Voilà, tu l'erreur. Vois que t'as 1500 de minerai, tu fous des gates. Et voilà. Et non, il fallait poser B2. C'est raté ça. Et là au pire, rajoutez qu'une seule gate si vous avez de l'excédent. Rajoutez 3, c'est beaucoup trop sur une base, vous pouvez pas les faire tourner. C'est beaucoup plus worth it de par contre prendre son temps pour chrono booster les cathode gates. Au pire, vous en rajoutez qu'une seule. Si vraiment vous êtes là dans la panade comme là, mais 3 c'est ça ne sert à rien. Donc ma jambe tombe toute seule. Tremble. Ah, c'est le stress des examens, mon petit Blackout. T'as pas mangé ton bio de Danone, c'est pas grave. Le run by, toujours pas bronze, hein. Ça c'est pas du bronze, hein. Ouais, clairement. Tu nous diras ton vrai niveau après. Après, peut-être qu'il a hérité d'un. Mais il a pas l'air platine non plus parce qu'il fait des erreurs aussi, donc c'est pour ça que c'est assez. Enfin, je sais pas. Et du coup, eh bien, c'est ça le problème. 3 gates, mais plus de minerai. C'est bien dommage. Parce que là, imagine, si réellement il est platine ou diamant, sachant qu'il peut streamac. Enfin, il l'aurait. Enfin. Ah, c'est chelou. Tu vas nous dire là, hein, parce que ça me stresse. Hein. Comment? Qui es-tu, Guilluminus? Es-tu famille nombreuse? T'as laissé jouer FC, hein, là, il est joué leur père et tout. Hein. À Lyon, on a vu des familles. Hein, et le père jouait avec sa fille et son fils jouaient aussi. Je sais plus, c'était genre type 12 ans, les enfants et 9 ans. Ouais. Et les gosses jouaient. Hein, et le père aussi, il jouait. Bon, le père jouait terrain, évidemment, mais qui se respecte et tout. Bon, on a bu un verre. Comment? voilà, les enfants, j'ai plus les races de noobs, là, pour débutants. Parce qu'on voit un peu là, en fait. Comment? Évidemment, tout ça est de la blague, jeune proto sous ergue. Hein? On rigole. Ne te sens pas offusqué. On rigole. Bien sûr.
Surtout quand on voit ton niveau de jeu. C'est vrai. On rigole. Surtout dernièrement. Qu'est-ce qu'on rigole. Donc voilà. Soyons peace. Voilà. Run by the Agni. Voilà. Sur le circuit. Un petit force field. Un oh, deuxième. Oh, tellement pas un force field de bronze. Le beau jeu. Le beau jeu, il est là. Le run by versus le force field. Allez. Et tu sais que t'as aussi la charge photonique. Surcharge photonique. Surcharge, ouais. Encore plus fort que la charge. C'est vrai. Excuse-moi de ne pas avoir usé du superlatif. C'est pas grave. Alors, Guillominus. Allez, Guillominus. Voilà. Wow, hé hey. Le petit move de PGM. Et t'as vu, hein, tout de suite, le caméraman l'a vu. Et c'est pas Funka pourtant, c'est Ponf. Ça. La qualité du caméraman Ponf. Toujours à l'affût toujours du petit taquet. Move. Toujours à l'affût d'un petit travelling comme ça. C'est ça, le petit changelin, il est où? Kiff ou pas? Le changelin, il est... Ah, il est devant, là. Voilà. Allez, Rochidra qui va être ambiancé par le Jorzerg. Ambiance. Et là, on peut voir que l'avantage du Jorzerg, c'est que lui, vraiment, il joue un jeu platine. Hein, il a posé Betro aussi derrière. Il continue ses drones. Et il a continué une valeur d'armée. Comment dire? Bah, il a fait sa propre, hein, c'est-à-dire qu'il a quand même... Attention quand même là, parce qu'on a un Imo qui vient de se faire choper. Boom. Et mais il a fait ça, excusez-moi, boom, je voulais vous dire, par graduation. C'est-à-dire que voilà, il mine un peu sa base, il rajoute quelques roaches. Et le tout est d'avoir assez d'armées pour être sûr que votre adversaire ne peut pas vous, et vous, comment dire, vous avoir sur le surnombre. Et clairement là, il l'a pas eu sur le surnombre. Clairement. Il l'a pas eu du tout. Et du coup, il va perdre son Nexus. Guillominus, qui est en train de lose cette game. Et qui sera le premier roi déchu de cette colline alors? Ouais. Non, le. Non, non, non. Ah, si, t'as raison. C'est ça, il a parce été avant, roi. Il n'y avait mais... pas droit. Ouais. Mais il s'est fait dégager. Avant, nous n'avions que des princes. Des prétendants au titre. Si vous voulez défier Over Blackout, jugez! Si vous voulez défier Over Blackout, eh bien, j'ai ça se over. Passe tout de suite dans le channel Hot Stuff sur BattleNet, le jeu de StarCraft. Si vous n'avez pas le jeu de StarCraft, vous pouvez télécharger une version gratuite, je crois. Exactement. Faut se créer un compte Bennett ou pas? Bah c'est la version découverte, oui, faut sûrement se créer un compte. Mais après, vous avez accès à tout le jeu à partir du moment où vous êtes avec une personne qui a l'édition entière et qui vous invite. Donc c'est vrai que maintenant, quand même, l'édition découverte, bah, est quand même très très découverte. Hein. Là, c'est... Tu peux faire... C'est découvre-moi, je suis chaud, tu vois. C'est pas découverte. Découvre tout temps, des premières 20 minutes. Voilà, c'est ça. C'est la découverte à la 2012, mais c'est le nudisme dans le jeu vidéo. Et du coup, allez checker ça si vous n'avez pas le jeu. Sinon, eh bien, vous pouvez l'acheter pour quelques dizaines d'euros et vous amuser pendant des années avec ça. Tu as avec un quand même. Bokeh. On joue sur une extension. C'est un peu plus cher que 10 euros. Quelques dizaines. Ah oui, excuse-moi. Oui, non, c'est pas 10 euros. Non, mais je suis pas concentré. Allez, en fait, j'assumais moyen ma blague de là. Ah, c'est pour ça. J'étais encore dedans. D'accord. Tu m'as pas suivi, là c'est toi qui es moins concentré. Mais non, mais j'étais en train de me focaliser sur le chrono. Il est 52, l'heure de... Déjà ? Ouais. Bientôt 21h. Cette émission passe beaucoup trop vite, les amis. On s'amuse tellement à Noce. C'est vrai, mais quand même. Parce que le but, c'était quand même de... Bon, on va taper dans le master bah, direct. Qu'il y ait du skill, tu vois, parce que bon... Ouais. Les games sont trop longues hein, quand on fait du low niveau. Hein. C'est intéressant, ça. J'aimerais bien voir les stats de Blizzard, de connaître les moyennes de match pour les bronzes, pour les argents, pour les ors. Et il y a plein de stats intéressantes comme ça qu'à la maison mère et qui, à mon avis, serait sympa qu'il y ait des petites releases là-dessus parce que on pourrait faire des analyses plutôt cool-up, je pense. C'est comme dans les performances à la fin, je pense qu'il sera intéressant de mettre la moyenne de temps de jeu de notre performance. Parce que ça pourrait vous indiquer, par exemple, si vous avez en... Vous savez, les performances à la fin, c'est le premier écran sur lequel vous êtes envoyé, que vous avez gagné ou perdu, d'ailleurs. Vous avez votre APM, vous avez votre moyenne de fond. Vous avez IDLE, je crois qu'ils l'ont viré, ça, on l'avait qu'à la bêta. Mais ils ont raison, parce que c'était compliqué à interpréter. Et il vous reste le nombre de workers que vous avez créé en moyenne. Et par exemple, cette donnée-là, je pense que sans la moyenne du temps de game, elle n'est pas très intéressante. Si vous avez une moyenne de temps de jeu de 11 minutes, 55 workers, c'est bien 11 minutes. A l'inverse, si votre moyenne de temps de jeu est 18 minutes, 55 workers, c'est pas terrible. C'est même faible. Donc voilà.
C'était la réflexion du jour. Écoute, je n'ai rien à dire derrière ça. Ça marche. Je comble pendant que Papa Ponf nous trouve. Nous trouve du. Ah ouais, Rocco. Je crois que j'ai jamais vu Rocco, je me souviendrai. Rocco était Yopoman. Ouais, mais normalement. Voilà. Over Blackout. Que fais-tu Over Blackout? Attention, attention. Est-ce que tu pourrais afficher du jeu? Ouais. Oui. Les Hertz. Dans 59 Hertz. 59. C'est bizarre, ça, non, 59. Tu veux 75? 60? C'est ok. C'est mieux pour toi. Plus haut, bas 75. Alors attends, on règle un petit détail. On va monter à 75? J'ai jamais compris, moi, ça changeait quoi les Hertz exactement? Faudrait que je me renseigne là-dessus. C'est parfait. C'est bon là? Allez, on peut envoyer la game. Go, 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 parce que juste après, il y a. J'ai le chef. Il y a même un Ricard de là, non? Je crois, hein. Eh ouais. Donc il s'agirait quand même de rendre l'antenne à l'heure. Zerg, zerg. Vous allez nous proposer quoi, les mecs, ce soir? Saints Row 4. Saints Row. Ah, c'est GTA Like. Ouais. Et Killer is Dead. Saints Row 4 et Killer is Dead. Bah vas-y, je vais regarder. Et il y a un concours sur Memory Card pour gagner le jeu Saints Row. Et il y a un concours sur le Facebook Memory Card, c'est ça? Pour gagner le jeu Saints Row, donc le 4 je suppose. Ouais. Non, c'est le 1, il vous escroque. N'y allez pas. Donc le Facebook Memory Card. Allez jeter un coup d'œil et participer au jeu. Memory Card qui normalement devrait commencer dans 5 minutes. Mais Non, dans une demi-heure. Ah bah on est d'accord. Ah bah ouais. Oui bah c'est bon. C'est pour ça que c'est passé vachement vite. J'ai cru qu'il fallait couper à 21h. C'est pour ça que j'ai stressé. On est bien les mecs. Il reste 30 minutes. Ah ouais c'est parfait. Donc dans 30 minutes pas de retard. Pas de problème. Vous avez le temps de regarder la game et d'aller faire le jeu de notre ami Plaxounet. Et c'est parti. Master contre Platine. Le Platine Sina. Oh ah ouais. La bonne nouvelle. Ok. Rocco contre Over Blackout. Rocco qui est donc notre notre master. Ouais. Team Saphir. Team Saphir, ça me dit quelque chose. Moi Team aussi, Saphir. Maintenant que tu me le dis. Rocco aussi, ça me dit quelque chose. Ça, ouais. Bon, on sait tout ce que c'est un acteur X. Ah, je croyais que c'était un petit cochon dans un dessin animé. Non, non, non. C'est un gros cochon dans un film animé, mais par la sueur. Allez. Ah ouais, pas par le dessin. Si, si. Super, Macaille. Et donc voilà, peut-être être en dédicace à Rocco. Donc Rocco qui est connu, donc pourrait être très bien monté, évidemment. Mais je pense que... Enfin, Rocco, c'est un prénom italien qui est connu, qui est commun. Hein. Ah ouais, ouais. Julien en France. Ou Eric. Ou Eric, ouais. Ouais, ouais. Ah, j'ai pris Julien, parce que moi, par exemple, dans ma génération, des Juliens... Enfin, je connaissais au moins 4 Juliens, mec. C'est... Ouais, du coup, on les appelait par leur nom de famille. C'était plus simple. J'avais un Julien, je l'appelle Enriquez. Il s'appelait Enriquez, tu vois. On était comme ça, nous, en banlieue, tu vois. Pas de perte de temps. Ouais, moi, beaucoup d'Alexandre en 86. Énormément, il y en avait genre 3-4 par. C'est marrant. 5 par. J'avais promo. Pas d'Alexandre. Ouais. Mais tu me diras, toi t'es de Paris, et puis Alexandre c'est élitiste. C'est ça. Vous êtes tous un peu Alexandre là. C'est ça, bon, toujours à l'affût d'un. Comment toujours à l'affût d'un continent à conquérir. Rocco qui va faire. Qui va poser. J'avais pas d'Alexandre. Le gaz. Moi c'était plus les Juliens et les. Il y en avait un autre aussi, c'était pas Mathias ou Mathieu, mais il y en avait un autre qui était surutilisé. Et maintenant j'ai remarqué que c'était Enzo. Je crois que c'est Enzo et je sais plus quoi. C'est tous les Enzo, Théa, Léa, Léo. Voilà. Qui sont. Jean-Bernard aussi pour les filles, ça refait un peu surface. Ah, et un peu de Norbert aussi là, j'ai vu grâce au cuistot. Il est Noël. Non, je déconne. Non, on déconne. On l'aime bien, mais bon, son prénom on lui laisse quand même. Norbert, c'est dur. Tiens, ce soir je suis. T'es in the hood. Ah ouais, je suis chaud là. T'es là, t'es présent à nos. Ça fait plaisir, ça faisait 6 mois. Je savais pas trop où t'étais à chaque fois et tout. Et là, t'es présent à l'instant donné. C'est ça. À l'instant X. C'est ça. Et tu vas tout donner. Oh, pas ta banning. Banning chez Blackout. Mais on a pas regardé plus. Ce que fait Rocco. C'est du ZVZ, d'accord. On va s'attarder un peu plus sur le Meta Game. On a un joli spread d'Overlord. Deux Zergling ici qui vont croiser, c'est le Blackout qui part en mode agressif.
Ouais, ce qui est marrant, c'est que c'est Blackout qui suit pour le moment. Ah non, Blackout, il est sur une base. Ouh, Rocco qui donne. Rocco qui est généreux et qui offre le speedling. Une queen qui se perd ici. Et Rocco qui est un peu en train de... qui perd un peu ses esprits. Que fait cette queen ici, j'ai envie de dire? Ouais, mais là, c'est un cas d'école, je trouve. C'est-à-dire que... pourquoi est-ce que, et ça, là c'est intéressant, pourquoi est-ce que vous voyez souvent donc les joueurs faire 15-15 et bah t'as banning tout de suite derrière après le metabolic boost? C'est exactement ce qu'a fait Rocco. C'est parce que c'est vraiment une situation qui vous rend safe sur un ensemble de choses. Et là regardez, Blackout il fait la même chose, c'est-à-dire la même finalité avec banning, sauf que tout est sur une base. Et vous allez vous rendre compte qu'au final, au moment où il va pouvoir attaquer, le bata banning de Rocco va terminer. Et donc il suffira encore de gagner encore un peu plus de temps. Et normalement Rocco devrait pouvoir s'en sortir largement. Donc on va voir ce qui va se passer. Normalement, après ça lui devient faire sa défense, de faire des bannings et de créer des unités là, alors qu'il n'en crée pas. Mais il est master, donc normalement il devrait le faire. Donc là, Rocco, la queen. Beau split. Le split. Attention là, c'est un peu trop. La 3. Oh, et ça c'est joli. Ça c'est plutôt pas mal. Mais là il produit rien, Blackout, c'est pas niveau master ça. Qu'est-ce que... notre gueule. Dozy. Blackout, là si tu me sors le master comme ça, je dis chapeau. Blackout il est là pour le kill. Je dis on essaie de t'envoyer un goodie, mon ami. Hein, on essaye. On essaiera vraiment très fort. Voilà. Je ne suis pas le maître des goodies en fait, c'est pour ça que je prends pas ce genre de phrase. Allez, bah du coup le deuxième queen. Et mine de rien, il s'est fait massacrer la gueule. Oh là là, et puis là en plus, tentative d'humiliation. Finish him. Aurait dit Ken Bogard. Dans Mortal Kombat. Voilà. Finish him. Allez. Oh là. Bien. Il est chaud, Blackout, il est chaud. Mais le master, il va se passer là. Ah bah, il est mort. Bon, ce cas d'école. Et c'est un mauvais cas d'école, parce que Rocco, il a un peu déconné, Rocco. Et il a très bien joué Blackout, hein. Le taf a été fait. GG. Voilà. Ah, dude. Je sens la frustration qui s'empare de ton corps, qui doit te faire sentir un peu de chaleur en ce moment. Ce n'est rien, ça arrive. Tu parles à Over Blackout, là, ou... Je parle au loser. Au pire. Non, je déconne, là c'était pas exprès. Merde de Rocco. Là c'était pas exprès. Non, GG Poulem, un gros GG au joueur platine. C'est qu'une défaite pour toi. Mais pour le joueur platine, eh bien lui doit être très content. Donc un gros big up à toi, Over, qui reste King of the Hill. Et qui quand même, tu viens de jouer un joueur qui était deux ligues au-dessus. Et en plus, je ne croyais pas en toi pendant la game, parce que je voulais me servir de ton erreur, enfin de ce que j'estimais être une erreur, pour montrer quelque chose d'intéressant. Et au final, tu gagnes, donc c'est pour ça que j'appuie un peu derrière, comme pour dire... Appuie, mec. Mec, tu as fait le travail, tu mérites d'être un dieu, on t'en sens, c'est comme ça, mais bien sûr. Et bien du coup, on va faire la pause en deux spies, on se retrouve après pour, du coup, Over Blackout. Contre un autre master. Plein de surprises. Si vous jouez à StarCraft, si vous voulez essayer de piner Over Blackout, allez dans le channel Hot Stuff, HOTSTUFF, ou Hot Stuff 2, 3, 4, s'il n'y a plus de place, et on ira piocher là-dedans. A tout de suite, les amis! Yeah! En mode cowboy! C'est ça! Allez, les amis, on est reparti. Vous le savez, on a un joueur platine qui tient très bien la route, vu qu'il vient de sortir un joueur master en ZBZ. Il veut le goodies! Très très bien joué, Evil Goodies. Il s'appelle Blackout, il va être opposé à un autre master qui a été présélectionné par Ponf. Ponf fait ses petites présélections. Faut être dans ses bons papiers, les mecs, c'est comme ça. C'est ça. Et il s'appelle... Duck Hawk Moon. Ouais, on va l'appeler Moon. Ouais. Sera plus easy. PXSG, le nom de sa team. Petit plan de on the left. PXSG, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je sais pas si c'est en référence déjà au foot ou pas. Ou à Stargate. Stargate, PX, pourquoi Stargate, SG. Ah oui, exact. PX. PX. FootX. FootX, Coupe du Monde 98. 98, Zidane. Zidane chauve. Chauve, œuf. Œuf, la boule de Fort Boyard. Ouais. Le gong. Get the money, quoi. C'est ça.
Get the money, chope les boyards. Chope les boyards. Prends ta copine, mets des boyards dessus. Y'a plus de boyards, mec, comment? Ils sont où les boyards? On m'a dit qu'il y avait des boyards. J'ai rematé le. Siffé par les inconnus, là, quand tu vois Fort Boyard, là, il est marrant. Je me suis tapé une bonne barre. Oui, le mec qui arrive dit alors j'adore la boxe, l'escrime, le foot, l'équipe et la philosophie. Ouais. Les présentations à chaque fois elles sont marrantes. Même à chaque fois il fait le running gag sur il est pas là, nanan et tout. Vas-y, calme-toi, mec. Oh, c'est pas mal. Et d'ailleurs, Visiteur du futur aussi, pour ceux qui aiment bien là, j'ai vu que. Donc Descrac. Ouais. C'est ça, hein. François Descrac. C'est à chaque fois j'ai quand ils sont deux famille. En fait. Voilà, mais donc celui qui réalise et qui écrit, bah, ça a l'air de bien avancer là, parce qu'il met sur Instagram et sur Twitter les avancées de ces jours de production, on peut dire. Ouais. Et je pense qu'ils sont déjà au 16e ou au 20e jour, donc je pense que pour une web série, ça doit quand même être déjà bien avancé, parce qu'ils doivent pas faire 3 mois de tournage, je suppose, ça coûte cher quand même. Ouais, ouais. Donc je pense que c'est quand même accéléré. 20 jours de tournage, c'est déjà pas mal. Ouais. Accéléré. Ça fait un mois. Hein. Ouais, ça fait un mois, c'est vrai. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien les Visiteurs du futur, bah écoutez, ça a l'air de bien avancer. Allez liker leur page, faites leur un big up, c'est vrai que c'est une des séries qui est apparue, bah c'est à peu près au même moment qu'on fait Tude d'ailleurs. Ouais. Et ça s'est fait, ce qui est marrant, c'est que ça s'est fait un peu à la même manière, c'est-à-dire qu'ils ont fait, ils se sont retrouvés dans un parc, ils étaient donc François Descrac, son ref et le comédien. Et ils ont fait 3 épisodes en une journée, ils ont tourné au 5D, donc un petit appareil photo qui fait caméra. Et ça se voit d'ailleurs, parce que les deux premiers épisodes se ressemblent beaucoup. Hein. Ils ont développé le délire autour de ça. Et ils ont vu que il y a beaucoup de gens qui avaient maté, ça marchait bien. Et du coup, après, ils ont récupéré une plus grosse équipe, un petit budget, ils ont fait une saison. Et après, ils ont fait la deuxième, ils ont monté petit à petit comme ça. Et ils ont toujours, en rajoutant, un bon scénario, de bonnes idées. Des petits ils ont bien rodé, spéciaux, je trouve, le scénario. Ouais. Et je retrouve vraiment un côté à l'américaine là-dedans, c'est-à-dire que... Oh le bat. Ah, dommage. C'est vénère. Ah non, il y avait un trou. Tu sais que les Américains, il y a pas mal de séries où ils partent sur une idée et tu sens que derrière, ils ont pas tout de suite... Ils ont vendu le dossier, mais après, c'était pas sûr de la suite. Quoi. Voilà. Et donc, du coup, tu vois que des fois, ça se fait très au jour le jour, mais c'est aussi ce qui a fait la force de certaines séries comme 24 heures chrono ou quoi. C'est comme ça qu'ils arrivaient à vraiment te surprendre. C'est qu'aussi, ils n'avaient pas d'idée de fin dès le début. Et moi, j'ai senti ça dans les Visiteurs du futur. En effet, c'est le côté au début, tu sens le petit côté délire. Et puis, petit à petit, ça brode. Mais ils ont réussi quand même à reprendre les points de leur délire pour faire quelque chose de cohérent. Et moi c'est pour ça que j'ai fini la saison 1 et que j'ai envoyé la saison 2, c'est parce qu'à la fin de la saison... Le début de la saison 1, tu te dis ouais, c'est marrant, mais bon... Et en fait, c'est... Donc moi je trouve ça vraiment bien monté, donc je vous le conseille fortement, même si je sais que la plupart d'entre vous devaient déjà connaître, parce que j'ai découvert ça très très tard. J'en ai conscience. Alors, qu'est-ce qui se passe ici là? Le Master, il est chaud ou pas? Over Blackout, il est chaud. Il vient de perdre son drone. Alors il est un peu déçu. Et il va se manger un rapide réacteur Hélion sans B2. Alors ça, la B2 qui est posée après. De plus en plus de terrain, refaire le gaz 13. Et je pense que ça, c'est dû au fait que il y en a beaucoup qui l'ont fait en repartant Reaper. On a revu des gaz 13. Et je pense que certains se sont dit, bah tant qu'à faire, autant essayer de directement envoyer les tourmenteurs. Ah, il a delete sa B2, merde. Ah bah ouais, j'avoue, là on a 4 minutes 45. Les Hélions qui vont popper. Et la B2 qui n'est pas finie. Et ouais, mec. Ah, Blackout qui craque un peu. Ah, Blackout qui craque mentalement. Moon. Ah, faut pas le dire, ça, Blackout. Faut pas le dire. J'ai pété le skill. C'est le tout moment, est hein. Toujours jouable. Marine King, il y arrive. Toi, tu peux y arriver. Les premiers Zerglings qui sortent, le Metabolic Boost qui vient d'être envoyé mais qui n'est qu'à 20%. Le problème c'est qu'il va pas pouvoir poser d'aiguille en rampant dans sa B2. Faut le préférer sur B1, je pense que c'est ce qu'il a fait, j'envoie en construction. Et ensuite le poser sur B2. Et s'il met ses Zerglings bien en haut de la rampe, il l'a pas mis en haut de la rampe, c'est normal, c'est dommage, il aurait pu intercepter un peu. Ouais, là il va avoir du mal à arriver au contact, tentative. Il faut occuper les Hélions. Tant qu'ils tapent pas de drone, c'est pas si mal. C'est ça, les guillons en rampant, faut l'amener devant la B2 maintenant. Les Zerglings au-dessus. Non, dans la B2, poulet. Laisse les Zerglings jouer avec la rampe sur la vision, voilà. Allez, les guillons en rampant qui restent sur B1. La Queen qui va pouvoir aider. Bientôt le Metabolic Boost, les deux Hélions supplémentaires de Moon. Le Duck Hawk Moon.
qui arrivent, qui vont entrer, c'est gratuit, c'est open, c'est happy hour ici, voilà, le speed link, ça surprend toujours. En effet, oh. Et voilà, il s'en est défait, pas de problème, derrière il va pouvoir envoyer full drone, c'est dommage qu'il a envoyé ses 6 arglings en plus ici. Là, ça c'est des histoires de timing, faut timer, faut un moment se projeter dans le futur et se dire, j'ai le métabolisme dans 10 secondes, est-ce que je pourrais contrer juste avec ça? Si oui, ne pas refaire de zergling. Vous voyez, là, ça fait beaucoup de zergling pour aller se bouffer un bunker. Ouais, des mais qui servent à rien, moi, ça. Non, mais j'aime bien parce que du coup, ça va quand même empêcher les lions. Il peut choper les lions sur un bon surround. Oh là, genre pas comme ça, par exemple. Voilà. Ça, fallait pas faire. Ça, fallait pas faire, ouais. Mais il arrive à run by. Pour regarder le map control, c'est vrai que t'as raison, c'était intéressant, il n'en avait pas trop fait pour autant. Mais il faut pas faire ça, voilà. Il faut les garder surtout, puisque le but c'est quand même de ne pas rencontrer les lions. Et d'empêcher la pose de B3. Mais au moins tu dis, si tu sors tes lions, tu vas les perdre. Moi je vais peut-être perdre tous mes aglis, mais au moins toi tu vas perdre tes lions sur un bon surround. Donc généralement tu te laisses un peu visible, t'essayes de prendre le map control et tout. Là il a tenté le run by pour on ne sait pas trop quoi. Et du coup maintenant eh bien, il peut sortir hein. Moon qui sort. Il n'y a pas de spoiler. Il y a éventuellement une spire sur deux gaz. On n'est pas. Deux gaz dont un seul qui est miné. Hein. C'est dommage, t'aurais fait un vigilant et Mazergling, on était mieux. Hein. Clairement. Hop, les vigilants qui ont pris d'ailleurs dans leur petit boule un petit peu mou. La spine qui est cancel et Moon du coup qui l'a, je crois qu'il a posé B3, voilà, il va pouvoir commencer à enchaîner, envoyer le boa. En même temps, voilà, il est master. Hein. Oh, joli surround! Pas mal ça! Mais ça va manquer d'unité. Après, il y a les mutas qui arrivent. Ça, c'est toujours sympathique. Les mines qui sont rechargées. Les mutas, il va pas en avoir beaucoup. C'est comme tu l'as dit au niveau du gaz, il était pas très très bien. Ah, c'est. Par contre, les lions sont morts. Là, il renvoie 4 zerglings. Il les a. Voilà. Boum, à clic. À clic. Les lions, faut pas faire ça. À clic. À clic. Oh non, il a réussi à les perdre. À clic. Toujours à clic. À la quitte. Ah, boum, boum. Et les mutas peut-être. Lance des mutas, Coco. Ah non, il n'y a pas de minerai malheureusement. 20 zerglings en production, c'est pour ça. Peut-être le move de panique. Il faut morpher un vigilant, les mines ça reste invisible. C'est ça. Très très important de morpher le vigilant. Le problème c'est que vous perdez les zerglings, mais que les mines, elles se rechargent. Donc c'est pour ça que c'est pas une bonne chose. Oh là là, beaucoup de zerglings envoyés comme ça un peu à l'arrache. Ça peut le faire sur le dégât de zone des mines. Oh, le maraudeur qui va tomber. Et maintenant, il va juste manquer un vigilant. On okay, a un mutaliste en production. Un seul. Il donne trop sur les mines, là, malheureusement, de George Zerg. Voilà. Là, il y a le vigilant. Normalement, on est pas mal. Boum. Oh, joli spread de zergling ici. Blackout qui donne tout. Et du coup, Moon qui est quand même généreux sur le ripop. Hein. C'est-à-dire que là, s'il se fait remonter son ripop, là, il n'y a pas grand-chose pour stopper. Hein. Là, il y va en mode flow continu vers la base, ouais, de Zerg, mais c'est dangereux. Hein. Ouais, pourtant, il a la B3, mais il n'a toujours pas posé. Il fait pas de worker en continu, là. J'ai l'impression qu'il misse un peu sa production de worker. Donc là, en effet, il est en train de prendre un risque. Oh, la mine qui a bien connecté là sur 6 Zerglings. Alors que le Zerg avait fait beaucoup d'efforts pour justement que ça n'arrive pas. Et les mutas qui sont forcés d'engager, 20 Zerglings. Oh, la mine qui tape. Aïe, la mine qui retape. Ah, ça va, la deuxième, il a eu de la chance. Ah, il y a tellement de marines. Il faut ma Zergling. 28 Zerglings encore en production. Over Blackout qui est dedans. Il faut juste le vigilant, il faut un autre vigilant. Blackout, ouais, il faut un autre vigilant, il faut un Batabanning aussi. Et après, ça passera tout seul. Voilà, ça il va le remonter. Hein. Là, il va tout remonter. Là, t'es bien, tu remontes. Voilà. Nom. Et il faut pas oublier de se débarrasser des mines, parce que ça peut tout. Ouais, parce que les prochaines sorties de Zergling, mon gars, il va en perdre 20 là-dessus. Ouh. Ouais, ça passe. 1 seconde 50, hein, c'est assez long le déclenchement d'une tire d'une mine. Je sais que ça paraît court, mais réellement, quand il y a beaucoup d'unités, c'est assez lent. Voilà, très bien joué là, ce que fait Moon. Ce que fait Over.
Attention, la mini ici qui peut faire mal, elle s'est pas déclenchée. Faut du banning plus vigilant, poulet. La force du banning, c'est quand tu as un clic avec le vigilant. La mine n'a pas le temps de péter, et toi tu la pètes. Et c'est pour ça que c'est très très fort. Après, évidemment, il y a plusieurs configurations, faut faire gaffe, hein, crois pas que couler à clic marche. Mais dans pas mal de configurations, la mine n'a pas le temps de péter. Et il faut vraiment que tu joues là-dessus, parce que là, voilà, il va te falloir le skill de Stefano pour pas perdre des airlines par tranche de 20, quoi. Ouh, plus 10 points pour le stream. Plus 10 points pour le stream. Oh, celui-là, il est beau. Blackout qui est dedans. Celui-là, il est beau. Genre, t'es allé voir à gauche, comme ça. Oh, allez, tous les airlines, tous les marines qui tombent. Ouais, écarte-toi pour les mines, qu'est-ce que c'est bien joué. Voilà. Attention, par contre, il y a beaucoup de mines. Mec, faut pas que tu rentres, faut être patient. Voilà, boum. Oh, ça va. Ouais, ça va. Mais là, il faut beaucoup plus de muta. Tu as le gaz, tu as le minerai, tu peux prendre des 4. Et drone un peu aussi, Blackout, là, parce que 50 de pop sur 3 macro watch, et tu fais les ups, double chambre d'évo, tu prends tes gaz, tu fais des drones, tu es pas si mal. Et surtout, si tu lui chopes. Oh non, il va donner son CC. Oh, Moon. Alors, Moon, on donne le CC. Étonnant. C'est élevable, hein. Au moins, il aurait survécu jusqu'à l'arrivée des troupes. Mais c'est pas grave, on a quand même une bonne macro chez le joueur Terran au niveau income, légèrement derrière, mais ça ne saurait s'inverser. Pas tant que ça, hein. Sans vouloir faire des reproches, 49 coeurs à 16 minutes mon poulet pour un niveau master, c'est pas normal du tout. Maintenant il est parti low economy, mais quand même il a très peu de workers. Tu vois là, il n'en crée qu'un seul de workers. Si vous amusez à faire les points sur les workers, vous allez voir qu'il rate beaucoup. Là il devrait en faire par 3, il a 3 CC, hein. Il vient de perdre le troisième minimum par 2. Je pense vraiment que Blackout a un vrai coup à jouer. Il n'est pas allé attaquer la B3. Alors peut-être que Moon aussi ne streamac pas. Mais quand même, non, je ne suis pas. Il y a un coup convaincu. À jouer. Pas convaincu. Oh, oh, oh merde. Le friendly fire. Oh. Ça c'est horrible ça. Ça, ah, quand tu joues Terran, je te jure, c'est horrible. Ah, c'est énorme quand tu joues Zerg. Ouais. Tu dis, alors, hein, tu vois ce que ça fait maintenant. Mais joli speed quand même, hein. Le je team. Réponds toujours aux joueurs Zerg. Ouais, je connais ça avec les bandings. Comment? Tu vois. Allez, bien joué les Marines qui tiennent quand même. Les deux mines qui sont toujours là. Faut tout de suite refaire un vigilant dès que vous l'avez perdu. Les mines qui s'enterrent. Ouh là là, cette fois-ci c'est tombé sur les airlings. Ouais. 4 medivacs, ça fait le taf. Les deux vigilants qui sont au tapis. Et Over Blackout qui commence à se faire dépasser. Beaucoup de marines améliorées. Et on sait ce que c'est quand même un marine. Ah bah ouais, ça fait mal. Hein. Faut du banning. Hein. Faut du banning. L'unité la plus forte du jeu, tout simplement. Ils sont 1-1 les marines. Les airlings, ils sont quoi? Ils sont 0-0 là? Ouais, bah ouais. Ah pas ouais, de chambre là, de 2-2 contre du 0-0, ça va pas le faire. Et les bannings, poulet, les bannings, bordel. Ouais, là ça donne. C'est copieux. C'est souvent les joueurs, enfin, quand vous débutez, vous allez peut-être souvent rager sur les marines en vous disant que c'est trop fort, mais comprenez bien que quand vous envoyez 20 zerglings, vous envoyez que du minerai. Quand vous avez 15 zerglings, 15 marines comme ça, il n'y a pas que du minerai là. Hein. Il y a 4 medivacs au-dessus, les 4 medivacs c'est 400 de gaz les mecs. Donc c'est normal. Que là vous avez une valeur d'armée de 400 de minerai, enfin bon maintenant 300 de minerai, 300 de gaz, plus 20 marines. Enfin je veux dire, c'est une valeur d'armée qui est 3 fois supérieure à 20 zerglings qui ne valent que 50 de minerai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut avoir conscience de la puissance du medivac. Oh, oh, voilà. Oh merde. Oh merde. Il s'est fait brain. Oh merde. The brain world. Dum, 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 dum. Oh là là. Oh. Ouais, ah, GG. Très très joli move sur la fin. GG! Ça passe, on va la belle micro du genre master. Moon qui remporte cette pour partie. Pour un platine, quand même, gros big up. Hein, parce big que, up à Blackout, ouais. Oh, c'est du bon jeu. Clairement, il est 21h23, on a juste le temps d'en faire une dernière avant de rendre l'antenne. Est-ce qu'on a du joueur professionnel? Jason. Qu'est-ce qu'il dit, Jason? Allez, là, on va faire un master contre master. Tu veux quelle map? C'est quoi la map dont tu me parlais, la map chelou? Mais afficher les cartes bizarres, tu vires et tu mets carte classement. Classement. Et... Alors, ça givre. Givre. Ça doit être givre. Oh, Yenamso. Yopsu.
Non, c'est pas celle-là, celle d'en dessous alors. Une game de quoi, comment, pourquoi, mais qui est cette personne? Jason. Il a déjà une note. Non. Invité dans et la partie. Quand tu vois une classe C2, c'est qu'il est une game. Ah, il vient de lancer une game, d'accord, très bien. C'est bien dommage. Et donc, Jason, c'est un joueur Protoss qui a été invité dans Hot Swag. Ouais. Qui vient souvent en Meltdown et qui est, je crois, Top Master. Ah ouais, donc c'est un joueur vénère. Ouais. Allez, on va reprendre en tout cas le joueur Terran. Donc, voilà. Moon, quelque part. Et on va jouer sur la nouvelle map là de comment ça s'appelle? Eh bien, de Blizzard. Hein, de Blizzard. Ça n'a pas changé. De Riot, si tu étais plus étrange. Ouais. Ouais. C'est vrai. Certes. Certes. Ok. Joueur en plus. Hop, hop, hop. Bon, maintenant il faut du grass kill. Hein. Y a pas un petit MKP là qui traîne? Nova. On a pas beaucoup de temps, mec. Si tu cherches un boss, on va y aller. Raphaël Bolstein. Non. Ok, en niveau de coup, on va prendre un master du channel. C'est quoi ça? Teal? Teal. Teal peut-être. Mazod, on a déjà vu. Teal, bah, ça va être ouais, toi. Teal. Hop. Damn it. Il a l'icône du Sarens. Ah, il a l'icône du mec qui est dans la game aussi. Exact. On peut pas l'inviter. Sinon, il y a Yopoman. Ah, il est là. Il est bon. Voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Et. Quel ras il est. Tu penses qu'on peut éteindre le ventilo? Ouais, si tu veux. Carrément. C'est un ventilo qui. Ding. Ça, et là, il y a Chicken McNuggets qui sort. C'est ça. C'est chaud. Merci. Ah, c'est parti. Alors, TVT. Ok, c'est parti, mon kiki. Gaël HF. La bataille pour le goodie. Alors là, on va avoir du beau jeu. Au bout d'une heure et demie. Il est 26. Du coup, on va pas le dire à Plax, mais on sera probablement en retard. Ouais. Ou alors, les amis, faut all-in, vous avez 4 minutes. Mais ben, dans 4 minutes, tu fais passer quoi comme strat? 4, c'est égal à 7 minutes. Ah, c'est pas celle-là. Mince. Dommage. Mais tu vois, celle-là, elle est bizarre aussi. Certes. Elle a l'air... Tu vas voir quand on est inside. Très étrange. Voilà, donc nouvelle map Blizzard. Alors, tu vas voir, juste ici, tout va bien. Là, on a un petit endroit pour dropper ou mettre des tanks en défense. Ça, ça m'a l'air d'être fait pour. Hein. Ensuite, la B2. C'est ça. Une petite B2 cosy qui donne plein sud. Hein. Là, on est bien. On peut bronzer tranquille. On a la vue sur la mer, tranquille. Et là, attention. Et donc là, on arrive sur un plateau intermédiaire. Alors, qui ouvre en bas sur ce qui semble être une possible B3 ou en haut sur une autre B3 avec un peu de sable pour les gosses. C'est ça. Ou les chiens, s'ils veulent faire caca. Pas les deux en même temps. Attention à nos ça. Non, ils ne s'entendent pas très bien. Non. Tu l'as poncé, tes îles. Eh bien, tu vas pouvoir nous montrer ton skill, tes îles. Puisque, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'expert naturel est là, et ensuite, ça nous donne un espèce d'arc. Parce que là, il faut aussi le défendre. Oh, il y a un petit pont ici. Qui permet une agression sur la B3. Qui permet une agression, en fait, backdoor. De type backdoor, Anos. De type aussi un peu Lost Temple, je place mes gardé sur par la un Lyot. De type Lost Temple. Quand tu regardes bien, là, tu places des tanks au-dessus, le mec, quand même. Ici là, ouais. Genre. Ouais, banade. Hein. Après, tu peux monter. Sur le Temple, c'est pas permis. Mais. Ouais, mais là, il peut pas monter par ici, il est obligé de faire tout le tour. Il y a un passage là pour monter? Ouais, il est là comme ça, hop, touc. Ouais, mais non, toi, si toi, la base ici là, et que moi je mets des tanks là, comment tu me vires mes tanks? Si ma base elle est là? Ouais, d'accord, ça c'est une montée ça. Ouais. D'accord, je voyais mal, d'accord, ok. Donc je te rejoins tout à fait. Ça change beaucoup de choses. Ouais. Sur Lost Temple, moi je voyais mal, je pensais que c'était pas une montée, donc j'allais te dire, tu vois, ici quand même c'est violent. Ouais, non, ça aurait été bah, un gros balcon pour dans ton slip, quoi. Ouais, un gros balcon terrain, ça aurait pas été très cool. Avec une pente et tout pour y aller. Opening Reaper pour tes îles.
Et au milieu de map, on a une Xel ici et une autre Xel Naga. Je kiffe le... Je sais pas trop où on est, mais... Il a l'air de se passer des trucs chelous, hein. Ouais. Avec des... des griffes qui sortent des... de la roche. Et donc, deux Xel Naga qui, j'ai l'impression, donnent quand même pas mal de map contrôle, qui ne doivent pas donner d'infos sur ces, deux passages. Et ici, il se passe quoi? On a pareil, vite fait le même type de passage. En fait, c'est divisé en croix, en fait. Donc, ouais. On a ici... et donc, un gros passage ici et un gros passage là pour une close position, on va dire, verticale. Plus 10 points, là, pour le stream hack. Et le Reaper qui arrive tout de suite sur le bon slot, normal. Bien joué Tezil. Alors en face, qu'est-ce qu'on a? Une facto qui a été ambiancée. D'accord, donc lui il est sur un build d'ordre beaucoup plus safe. Ce qui est étrange, c'est que s'il produit les marines sur continu, donc tout va bien. On va essayer de choper le premier worker. Ce qui est chose faite, mais attention quand même, hein, le plateau n'est pas si libre que ça en entrée-sortie de Reaper. Il a surtout la zone qui donne plein sud, comme tu disais tout à l'heure, mais après, c'est un peu moins le cas. Très bon split de Marines là, c'est très bien exécuté ce qu'il vient de nous faire Moon. Ouais, mais il a pas paniqué, deux Marines en haut, deux Marines à gauche, à droite, et ça passe. La B2 qui est posée est chez notre ami... Ouh, peut-être de la Banshee, est-ce qu'il a pris le deuxième gaz? Il a pris le deuxième gaz. Oh, pardon. Ça sent de la Banshee, into all-in derrière, on verra. Je peux me tromper parce qu'il n'y a pas de réacteur sur le barrage, comment ça m'embête. Double Banshee tu penses? Oh, il serait très sale. Mais t'as raison, ce serait bien possible. Normalement, tu fais pas ce deuxième laptech aussi rapidement sur ta factory. Mais dans ce cas-là, il aurait déjà envoyé le spatio. C'est pour ça que je pense plus sur un push Banshee Cloud into push Marine Tank. Mais pour ça, faut le réacteur sur le baraquement. C'est pour ça que pour le moment, pour être honnête avec toi, je suis un peu... Ah, le réacteur... non, c'est chez l'autre. Et Banshee! Non, je dis que de la merde. Blablabla. Mais... Qu'est-ce qu'il y a, Tezil? What's up, Tezil? Merci go, ok, bah go poulet. Allez, non derrière il fait tout de suite des tanks. Tank Banshee. Ok. Tank Banshee Marine, des valeurs sûres, deux gaz et pas forcément besoin de prendre une B2. Les premiers lions qui vont sortir et donc du coup, eh bien, il faut quand même le scouter. Heureusement, plus 10 points encore pour tes îles. Qui a probablement mis la pause pour venir checker le stream et augmenter le son. Probablement, il n'entendait pas avec les... C'est ça, avec les sons du jeu. J'entends mal quand il dit le nom des unités. Et donc, du coup, qui est prêt pour les Banshees, hein, et le Cloak. Et Moon, qui va sortir un BO, j'ai l'impression qu'elle a l'air un peu de son crew, quoi. Ou ouais. De son cru. C'est sympa ce que fait Moon, c'est vrai que maintenant que le Cloak est moins cher... Tu peux accélérer la sortie des tanks et c'est ce qu'il nous fait là. Donc j'ai envie de dire why not. Tezil est quand même vachement chaud sur le stream hack. Ça tue un peu la game à mon goût. Ouais, pour l'instant il l'a pas gagné. C'est vrai. Et on a le tank qui est là avec le mode siège. Bonsoir. Et. Ah, faut scanner la poule. Très rapidement le bunker, c'est bien fait ça. Petit scan. Bien fait aussi. Il va pouvoir avancer. Très très joli push hein, de la part de Moon là. Qui met une pression avec 6 marines, une banshee et un tank quand même. Oui. Tezil fait le beau gosse, il aurait dû envoyer un spasso normalement. Il a scouté banshee. Il l'a pas fait, du coup pas de viking, c'est ghetto. Je sais c'est qui crame, ici on attaque des workers, c'est très bien joué. Tezil qui se fait massacrer. Tezil qui se fait totalement massacrer alors qu'il avait, il a plus 30 points de streamage quand même. Ouais, c'est ouais. Pas n'importe quoi. Elle était quand elle a pété par fond de ponce. Voilà, elle a fait mal. Merde. Il a plus mal. La mine, faut pas le croire, mais la mine est un très bon élément de défense pour ce type d'attaque. Le mec peut scanner, mais si à chaque fois vous levez vos mines, vous avez vraiment moyen de back. Et de gâcher des scans en face, quoi. Parce c'est que ça.
Ça fait super peur, une mine enfouie. Et forcément, le mec n'est que sur une base, donc le stat est 45 secondes. C'est très très lent. Vous pouvez gagner beaucoup de temps si vous ne perdez pas la BD. Vous pouvez vraiment rester une game une fois que vous avez repoussé. Enlever d'envoyer les marines, cela. À mon avis, il ne l'a pas fait, les marines se sont envoyés tout seuls. Tes îles, tu sais que Memory Card nous attend. Tes îles, soit tu sors les BCS. Si tu sens trop la loose, soit tu fais un all-in, soit tu dis GG, tu t'inclines. T'es un prince. Genre ça, ouais. Là, t'as besoin des BCS, poulet, il y a trop de tank. Les marines qui ont été un peu abandonnées sous les tirs du tank. Ah, le tank qui est monté, ça mule. Allez les VCS, c'est parti. Non, le tank qui est mort, malheureusement. Il a sorti le VCS pour le réparer probablement. Tu sais qu'avec tous ces VCS là, je pense qu'il peut se faire les trois. Quoi. Un petit split, tes îles. Oh, t'as un spatio, poulet, t'as pas fait de viking. Oh, poulet, t'es master, tu te fous de moi là. Ouais, mais c'est trop tard, tes îles. Allez, les VCS. Encore 10 pour... Encore 10 points de streamhack pour tes îles. Voilà. Voilà. Bon, la Banshee, c'est plus dur. Et maintenant, les... Ouais, bah là, c'est fini. C'est fini. GG. GG. Attends, on va le laisser quand même. Des deals quand tu veux. Hein. Des deals qui jouent sa fucking life. Mais ta famille n'est pas en jeu. Pas la peine de jeter ta vie, poulet. Des îles qui va se mettre à lever les bâtiments. C'est ça, pour l'honneur. C'est l'ego. L'ego est un vrai problème hein, dans notre société actuelle. Chez les Terrans aussi, je trouve. Je fais des analyses là-dessus. Plus globalement, hein, hors Terran, Starcraft 2, tout ce que tu veux. Hein. Problème d'ego, les mecs. Faut arrêter avec l'ego, les mecs. L'ego, c'est un peu la boîte de Pandore que tout le monde a laissé ouvert. Ah, respecte-moi pour cette phase, elle était trop belle. Je te respecte, Thanos. Merci. On va clore cette émission sur cette phrase philosophique. Et donc GG à Moon et le précédent qui était, j'ai oublié son pseudo, Over Blackout. Over Blackout, c'est Over ça. Blackout. GG à Moon et GG Over, nos deux King of the... King of the Castle. Voilà. Duck Hawk Moon. C'est pas Moon le coréen. Hein, ouais. Qui se serait reconverti en Terran et viendrait refaire son groove sur la scène Europe en passant par Hot Stuff. Mais non, donc Duck Hawk Moon qui est notre roi de la colline de cette Hot Stuff. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste après nous, Memory Card. Sur Centro 4 et Centro 4 et un deuxième jeu que j'ai déjà oublié. On vous laisse les amis parce qu'on est en retard de 5 petites minutes. Très très gros bisous à vous et à très très bientôt. Ciao ciao tout le monde. Salut.